les idoles dans les cœurs. Les dictateurs idolâtrés sont la conséquence du fait que les êtres humains prennent pour guide d'autres êtres en dehors d'Allah. Quant à idolâtrer la nature, c'est le fait que les êtres humains acceptent d'autres êtres en dehors d'Allah comme créateur. Quant à une autre erreur qui égare les êtres humains de nos jours, c'est qu'ils font des êtres autres qu'Allah la plus grande valeur et le plus grand objectif de leur vie. En particulier, certaines passions et ambitions. Dans le Coran, Allah attire ainsi l'attention sur ce genre de personnes. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? L'origine de cet égarement remonte jusqu'à la Grèce antique. Épicure, qui est l'un des penseurs éminents de cette civilisation idolâtre, a avancé que l'être humain doit seulement vivre pour assouvir ses plaisirs et passions du monde. Selon Épicure, le seul but de la vie est de prendre du plaisir. Or, selon l'islam, le plaisir n'est pas un but, mais un moyen. Un moyen qui va diriger l'être humain à remercier Allah qui crée tous les plaisirs et les bienfaits. Et de nos jours, domine dans de très nombreuses sociétés la duperie héritée d'Épicure. En oubliant Allah qui les a créés, les êtres humains en sont venus au fait d'exister uniquement pour mener une vie de plaisir et de confort. Gagner encore plus d'argent ou de prestige est le but de la vie. Les êtres humains ne vivent pas pour gagner la satisfaction d'Allah, mais pour gagner la satisfaction d'autres personnes, ou bien pour assouvir leurs propres passions égoïstes. Ceux qui semblent avoir réussi concernant cet objectif sont regardés avec une grande admiration et jalousie par la majeure partie de la société. Or, tout cela est extrêmement trompeur. Comme tout le monde, après quelques dizaines d'années, la personne la plus riche du monde va entrer sous la terre noire. Après quelques dizaines d'années, la plus belle femme du monde va vieillir, elle va perdre toute son attirance. Ceux qui auparavant aspiraient à être comme eux, les admiraient ou les richesses qu'ils possèdent ne vont leur être d'aucune utilité. À ce sujet, dans le Coran, Allah donne comme exemple aux êtres humains le récit de Karun, c'est-à-dire Corée. En vérité, Corée était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à un groupe de gens forts. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie d'ici-bas dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. » Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun groupe, en dehors d'Allah, ne fut là pour le secourir. Et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire « Eh bien, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Eh bien, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. » Pour toute personne qui font de l'argent, des biens, des propriétés ou bien de l'ostentation le but de leur existence, le récit de Corée doit être une leçon. Les idoles leurrent l'être humain et le prennent sous leur joug.
les dictateurs écrasent l'être humain avec la pression et la peur. Les philosophies et les idéologies comme le matérialisme mettent sous pression l'esprit de l'être humain, l'empêchent de penser de manière sensée, ils l'entraînent au fanatisme et à la colère. Quant aux idoles de la vie quotidienne, comme l'argent et le prestige, elles feront travailler les êtres humains pour un objectif vain, elles les noieront dans la tension et le stress. Aucune de ces fausses divinités ne feront gagner la sérénité, le bonheur et la liberté à l'être humain. C'est pour ces raisons que le prophète Abraham a dit ceci à son père qui adorait les idoles. Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ? La seule délivrance de l'être humain, c'est qu'il adore l'unique vraie divinité, c'est-à-dire Allah le Très-Haut. Toutes choses, en dehors d'Allah, sont des êtres faibles qu'il a créés. Aucun de ces êtres ne peut être le guide de l'être humain, son créateur et le but de sa vie. Toutes ces qualités appartiennent à Allah. Et en se détournant de toutes les idoles, l'être humain doit se diriger vers Allah, il doit vivre pour lui. Dans un de ses versets, Allah propose ceci aux êtres humains. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance ? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous être détourné de cette vérité? Quant à la personne qui s'éloigne de ce chemin, elle doit savoir que la contrepartie qu'elle va recevoir à l'issue de la vie sur terre qui passe aussi vite qu'un clin d'œil va être le châtiment et le regret. Dans le Coran, Allah avertit ainsi les êtres humains. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour pour Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment et que les liens entre eux seront brisés,